Président Macky Sall, président de tous les Sénégalais, réarmez-nous de bon sens à jamais et pensez à ces politiciens du trivial. Sall m'a couché sur le patrimonial, imbibé pourtant du peuple en sueur, dégoulinant au rivage de son labeur. Élu final d'un incertain jour trouble, narguant même la paix qui en tremble, tenez-le pour dit que toute fin sonnera. Macky en fera à sa guise et puis partira avec le viatique de sa seule empreinte, compulsé au rayon X des complaintes, kaléidoscope d'une œuvre accomplie, yon yokouté exhibé en guise d'ampli, selon que vous avez failli ou assuré, à la face du pays se voulant rassurer, d'histoire vous attend, cher président, les yeux rivés sur le pacte nous liant. Monsieur le Président, au lendemain de votre accession à la magistrature suprême en 2012, j'avais consigné ce poème qui marquait le tableau de bord d'une espérance forte, nourrie et chargée. Aujourd'hui, 7 années après, que nous laisse voir votre magistère. Hier, quand vous nous chantiez le Yonu Yokouté, on ne l'imaginait pas finissant enseveli sous les draps du plan Sénégal émergent, avec ses modalités qui rappellent à bien des endroits certains dommages causés à la préférence nationale. La gouvernance sobre et vertueuse, la patrie avant le parti, le Sénégal pour tous, que sais-je encore? Que de slogans vendeurs de rêves que le peuple aimerait voir incarner. Le quinquennat promis sous tous les toits du monde, la famille au cœur du pouvoir, le ministre de l'Intérieur organisateur d'élections, n'est-ce pas illustratif de l'ironique survivance du Wahouahet? Dans Taboré, la justice sélective, les passages aux forceps, la répression des manifestants, le recul des libertés, le deux poids, deux mesures, l'autorité décontenancée, l'État et le parti synchronisés, la démocratie à reculons, les rapports de cours de contrôle non publiés, la malgouvernance galopante, n'est-ce pas encore vous, Monsieur le Président? Dans une république où les élites se délitent aisément à l'épreuve du système, enivrées et étourdies par les senteurs du pouvoir, dans une république où la politique se laisse gangréner par les régressions amorcées et où la plupart des scandales restent volontairement non élucidés, dans une république où le dépositaire de tous les pouvoirs ose dédier son souffle au second mandat, où le nédocobandomisme fait planer un épée scintillant des 1000 collines, c'est le devoir qui appelle à se dresser contre tous les dangers qui nous guettent et enserrent. Oui, ce que nous avons perdu est beaucoup plus important que ce que nous avons gagné. Le moins que l'on puisse attendre d'un homme à qui on a tout donné, c'est de nous sortir de terre des merveilles et nous débarrasser de certains archaïsmes. Merci pour le train express régional. Djamnyadio, la finition de la IBD, la pression pour le départ de Yaya Djamé, la collaboration sur le pont de Farafeigné, Ila Touba, Dakar Arena, Air Sénégal, l'Arène Nationale, AIBD Mbourties, la couverture maladie, même si elle a encore du chemin à faire, les bourses familiales, les PUDC et tous les autres programmes. Dieu sait que la liste est bien plus longue. L'histoire saura reconnaître l'empreinte de chacun. Seulement, il arrive des moments où il va falloir choisir entre continuer et envisager le reste du chemin autrement. Ce tableau de bord faisant foi, j'ai dû voter contre vous et en attendre fortement de mes compatriotes du Sénégal et de la diaspora. Mais le vœu ne s'est pas réalisé. Il faut accepter. Monsieur le Président, depuis le soir du 24 février 2019, le rêve a semblé virer au cauchemar, balayant l'espoir que j'ai caressé de voir mon pays se fixer un cap plus digne de son espérance. Mais la sentence était déjà rédigée. Ce dimanche-là, votre armada a marché en terrain préalablement conquis.
Et c'est après seulement qu'on a dû s'en apercevoir. Vous avez été proclamé vainqueur avec 58,26% des suffrages. C'est le fruit du labeur. Vous vous êtes levé très tôt pour prendre une longueur d'avance sur l'opposition. Et le fait me rappelle la leçon de Gorbatchev, enseignant qu'en politique, il ne faut jamais être en retard. Il se faisait tard quand, de sa retraite de Versailles, où ne plane sur lui que l'ombre du fils, Abdoulaye Wade s'intronisait chef de guerre et que l'unité d'action de l'opposition était déjà ratée. La loi sur le parrainage avalisée, le code électoral et la constitution modifiée, le fichier électoral dans le secret du seul camp de la majorité, la carte électorale remaniée, les duplicata de cartes d'identité multipliées, dites, si la messe n'était pas dite, le sort déjà jeté. La machine était déjà mise en branle, bien avant le jour J, un triomphe aux relances industrielles et acrobatiques alors, alliant ingéniosité politique, moyens massifs et approches de proximité bien payantes. Félicitations tout de même, et que le meilleur reste pour le Sénégal, ce pays qui, telle une femme de marin au couchant, épiant sur le rivage le retour de son élu, vous attend encore fortement sur les chantiers de sa normalisation sur coup. Même s'il faut se rendre à l'évidence que quelque part vous avez bien travaillé, ne perdez pas de vue l'énormité du passif. La vérité et la décence, la justice et la droiture ont trop souffert dans ce pays ces 7 dernières années. Et là où leur socle fait défaut, l'émergence se fait illusion et le développement un simple fantasme. Être surtout de ceux que déterminent le sens et le souci de l'histoire, c'est tout le mal que l'on puisse vous souhaiter. Puis enfin, le nouvel élan promis par les premiers discours du second mandat se traduire par une volonté conséquente qui trancherait avec certaines inconséquences du passé. Nous le souhaitons vivement pour le pays qui, il faut le dire, ne méconnaît pas la voie qu'il doit suivre. Il suffira tout simplement aux dirigeants de s'évertuer à donner le bon exemple, de se réconcilier avec les valeurs fondatrices de la chose publique et de redonner à ce que nous avons en commun la plénitude de son sens. L'espoir reste bien permis pour le Sénégal, mais à la condition que le présent quinquennat soit un pas décisif qui le conforterait vers demain. Il y a à regretter cependant que le jour ne s'est même pas encore levé sur le second mandat, qu'un viol de la loi est perpétré au lendemain de votre prestation de serment. Il y a à regretter cependant que le jour ne s'est même pas encore levé sur le second mandat, qu'un viol de la loi est perpétré au lendemain de votre prestation de serment. Le nommé Mamadou Houry Diallo a bénéficié de la grâce présidentielle du 3 avril alors qu'il n'en avait pas droit. Condamné à 5 ans de prison pour avoir convoyé de faux médicaments dont la valeur est estimée à plus d'1 milliard de nos francs, il avait fait appel. Et alors que celui-ci était pendant, intervenait sa surprenante et incompréhensible libération. Quelle qualification donner à cela, Monsieur le Président ? Vive la République, vive le Sénégal !